Deux érudits de lecture du livre Saint de l'Islam foulent le sol de la mère patrie après avoir participé aux compétitions internationales de lecture et interprétation du Saint-Coran en Égypte. Cheikh Adam Younet Seyd et Mohamed Ramad Dana classent le Tchad 7e sur 58 pays participants à cette prestigieuse compétition internationale. C'est une fierté pour tous les Tchadiens, et en particulier pour la communauté musulmane. Émerveillé par le résultat des Tchadiens, l'imam Abbakar Walar Modou, par ailleurs, membre du jury de cette compétition, n'a pas caché ses impressions. Mes sentiments sont les sentiments de fierté, de bonheur et de réussite et de mission accomplie. Pour le conseiller chargé des missions à la présidence de la République, le Tchad a été honoré par les jeunes lecteurs et interprètes du Coran. C'est un honneur pour le Tchad de décrocher ce rang à travers ces deux lauréats qui ont occupé chacun dans son domaine la 7e place. Après plusieurs années d'échecs, je crois que le Tchad est en train de reprendre sa place dans les concerts des nations, surtout en matière de compétition internationale du Saint-Coran. Cette compétition a fait participer 58 pays avec un total de 108 candidats. Au total, 10 candidats sur 108 ont été primés.